Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Linda Déco, etc. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre rendez-vous du 10 du mois. Donc, c'est mon duo avec Virginie Diamant et Phil, notre duo Gorgeous. Donc, je brode une Gorgeous d'hiver et Virginie brode une Gorgeous d'été. Et on a décidé de broder cette toile, chacune notre toile avec un système de cases. Et puis on vous présente notre case tous les 10 du mois, notre case brodée et puis la prochaine case qui a été tirée au sort. Donc une fois un mois sur deux c'est Virginie et l'autre mois c'est moi qui brode qui tire la case au sort. Et donc on va regarder la toile, la case du mois précédent, donc la case du mois de septembre qui était tiré au sort le 10 septembre, c'était la case numéro 3. Donc regardez, j'ai mon petit découpage. Donc la case numéro 3, c'était celle-ci. Donc on va voir, est-ce que j'ai réussi à broder ma case en entier? La réponse est oui. Donc j'ai terminé. J'ai bien avancé toute cette bande. Donc la case numéro 3, je vous montre quand même la toile en entier. Donc ça avance hein, petit à petit. On a déjà 10 cases brodées là-dessus. On a décidé de broder la toile, partager la toile en 25 cases. Donc là, on en est à la case 10. Et donc vous voyez, c'était sa petite main avec la moufle et puis un petit bout du manteau. Et puis la trace, donc c'était entre 60 et 90. Voilà. C'était cette zone-ci, 900 points. Et puis, en fait, ça m'a rappelé des souvenirs. Ça m'a rappelé l'époque où j'ai brodé la case 18 et puis où je m'en étais fait voir ce qu'elle était très, très confettie, des symboles qui se ressemblaient. Par exemple, ces deux-là, ou la croix verte sur fond jaune, la croix verte sur fond blanc. Voilà, enfin, il y a beaucoup de symboles similaires. Donc là, il y a celui-ci, celui-ci, celui-ci qui se ressemblent. Parce que là, c'est sur fond rose, mais sur un tout petit carré, ça ne se voit pas forcément. Donc là, je me suis aidée du patron. Donc j'ai suivi les conseils. Je crois que c'était Zaza qui m'avait donné le conseil de prendre en photo la zone et puis de zoomer avec mon téléphone. Et ça marche super bien. Donc c'est un très très bon conseil. Là, c'est ce que je vais faire parce que des fois, là, pour mes petits yeux, c'était un petit peu compliqué de suivre. Vous voyez, là, regardez, à ce niveau-ci, là, les traits sur fond rose, sur fond jaune, c'était un peu compliqué. Mais bon, en zoomant avec le téléphone, c'est impeccable. Donc, si vous avez un petit peu les yeux qui fatiguent en fin de journée comme moi, je vous conseille de faire ça. Vous prenez votre patron en photo et puis après on peut zoomer avec le téléphone et c'est impeccable. Super grande case. Donc merci beaucoup pour ce conseil. Là, ça m'a bien aidé. Je m'en suis rappelé. Tu m'en avais parlé à l'époque de cette case-ci. Et là, je m'en suis servi pour cette jaune-là, en fait, qui est à peu près pareil. Regardez. Hein. Donc voilà, ça m'a aidé à y voir plus clair, sans mauvais jeu de mots. Et donc voilà, ma case est faite pour le mois de septembre. Et puis ce mois-ci, pour le mois d'octobre, c'était à mon tour de tirer la nouvelle case. Et donc j'ai tiré la case numéro 4. Alors on va regarder sur mon petit découpage, la case numéro 4, elle se situe ici. Donc elle est un petit peu plus petite. Là c'était une case de 900 points, là c'est une case de 800 points. Et donc nous sommes entre 90 et 110 et au niveau 40, 80. Alors, c'est un petit peu en décalage. Donc déjà, on est à côté du visage. Donc j'ai un décalage de 10. Donc ça commence ici, comme ça, sur deux bandes. Et on rejoint jusque-là. Alors, qu'est-ce que ça donne cette case? Ça a l'air d'aller. Un petit peu de confetti peut-être sur. Ouais. Ce côté-là, il a l'air d'être un peu plus confetti. Et celui-là, un petit peu plus simple. Donc, ça devrait aller. On va s'en sortir.
Je vais attraper une aiguille et un fil, et puis on va démarrer la toile, la case ensemble. Donc Virginie, j'espère que tu avances bien sur les gordus, sur ta gordus, pardon. T'arrives à t'en sortir, t'as une organisation au top, là j'ai vu, avec des semaines paires, des semaines impaires. C'est toute une organisation, mais c'est vrai que moi aussi je commence à repenser mon organisation, et avec le nombre d'encours qui augmente, les toiles qui sont assez grandes parfois, il faut réussir à mêler le planning de la chaîne YouTube, le planning des enfants, le planning du travail. Ouais, c'est pas évident de jongler avec tout ça. Mais bon, c'est vrai que c'est un plaisir de commencer une nouvelle toile, d'avoir plein d'encours. Moi, ça me plaît, ce système. Mais bon, c'est vrai que on aimerait que ça avance toujours sur chaque toile. Mais bon, on fait à notre rythme, et puis on prend beaucoup de plaisir sur nos toiles, c'est le principal. Donc on va commencer la case numéro 4 ensemble. Et puis je vais prendre pendant que je brode, on va répondre aux petites questions de la deuxième partie du tag Essie de Green Angel. J'avais été taguée par Virginie, donc le tag il se compose de 30 questions. J'ai déjà répondu aux 10 premières questions dans ma vidéo des grues japonaises, et puis là on va continuer avec les 10 questions suivantes dans cette vidéo. Alors attendez que je choisisse une couleur à broder. Je vais pas me prendre la tête, je vais pas me compliquer les choses, on va faire le symbole bleu numéro 37. Alors je vais commencer à répondre aux questions en même temps que je prépare mon fil. Donc la couleur 37, c'est bleu ciel. Alors, question 11. Et si tu avais 1 million d'euros, mais seulement 24 heures pour les dépenser, que ferais-tu? Alors, 1 million d'euros pour les dépenser, déjà, je les mets immédiatement sur mon compte, hein, pour pas qu'ils s'échappent. Et puis ensuite, j'essaierai d'acheter, de mettre mes proches à l'abri en leur achetant une maison pour qu'ils aient un toit sûr au-dessus de leur tête. Et puis, si je peux placer mon argent et puis le faire travailler, j'arrête de travailler direct, hein, et puis je reste à la maison à regarder mon argent fructifier. Voilà. Ça serait le rêve, ça, d'arrêter de travailler, pouvoir faire ce qu'on veut quand on veut. Question numéro 12. Si tu pouvais changer de métier du jour au lendemain, que ferais-tu? Alors ouais, c'est sûr que je changerais de métier. Et puis, j'aimerais bien être libraire. Que j'ai une grande passion pour les livres, donc là ces dernières années elle est un petit peu comment dire en stand-by avec les enfants, parce que c'est difficile difficile de trouver un moment pour se poser avec les enfants pour lire un bouquin. Mais avant je lisais beaucoup, je passais beaucoup de temps à la bibliothèque, dans les librairies, à flâner, j'aimais beaucoup ça. Donc j'aimerais bien retrouver cette ambiance de passer du temps dans une librairie. Donc pourquoi pas en étant moi-même libraire, et puis en conseillant des livres aux clients. Ça m'aurait bien plu, ça. Et puis pourquoi pas ouvrir un petit coin loisirs créatifs dans la librairie pour que les gens puissent se poser, pourquoi pas, avec leur broderie. Ça peut être sympa, ça. Question 13. Et si tu ne pouvais plus voyager en avion, comment organiserais-tu tes vacances à l'étranger? Donc moi je suis assez casanière, donc j'ai jamais pris l'avion. Et puis je pars rarement à l'étranger.
Donc bah, je m'organiserai pas parce qu'en fait ça se présente pas. Mais bon, je suppose que si je devais partir loin et qu'il n'y avait pas l'option de l'avion, ben ça serait le bateau hein, ou le train. En toute logique. Ou alors ouais, un camping-car, partir en road trip avec les enfants, le chien, tout ça. Ça peut être sympa aussi, ça. Alors, attendez où je vais, voilà. Si tu devais te passer de ton plat préféré, quel autre plat choisirais-tu pour le remplacer? Donc mon plat préféré, on en avait déjà parlé dans un précédent tag, c'est le couscous. Et quel autre plat choisirais-tu pour le remplacer? Bah, je choisirais mon deuxième plat préféré, les moules frites. Et oui, c'est le plat traditionnel hein, du Nord. J'aime beaucoup les moules frites. Toute simple, marinière. Dans les restos, on en trouve avec plein de sauces différentes, mais moi, c'est la classique que j'aime bien. Question 15. Si tu ne pouvais plus utiliser d'argent liquide, comment gérerais-tu tes dépenses quotidiennes? Bah avec la carte bleue, le sans contact, hein, voilà. Comme ça, de toute façon, maintenant c'est accepté à peu près partout. Même à la boulangerie, on a des appareils pour utiliser le sans contact, donc c'est pas un souci. Ça changerait pas grand-chose à ma vie en fait, parce que j'utilise rarement d'argent liquide. Question 17. Si tu pouvais parler couramment une langue supplémentaire, laquelle choisirais-tu et pourquoi? Alors, ben ça c'est pareil, on en a déjà parlé dans la précédente partie du tag. Donc j'aimerais bien aller au Japon. Et donc ben, si je pouvais parler japonais d'un coup de baguette magique, ça m'arrangerait parce que j'ai l'impression que c'est pas si simple cette langue à apprendre. C'est pas une langue. Pas une langue latine, hein, donc c'est ouais, avec un alphabet différent du nôtre. Donc si je pouvais l'apprendre comme ça d'un coup d'un seul, ouais, je prendrais le japonais, et puis comme ça me permettrait d'aller voyager au Japon sans problème, sans avoir la barrière de la langue. Alors après, question. Numéro. Ah non, j'ai passé une question, pardon, la question 16. Oui, c'est ça, je me disais, il y a un problème. Donc j'ai oublié la question 16. Si tu devais vivre une semaine sans internet, que ferais-tu de ton temps libre? Donc ça, c'est une question qui ressemble aussi à la précédente. Bah, si j'avais pas internet, bah, je ferais mes loisirs, hein, donc le point de croix, le DP, la lecture, voilà. Pas besoin de connexion Wi-Fi pour ça. Ouais. Je pourrais juste me passer de télé. Mais bon, je regarde plus beaucoup la télé. Maintenant, je passe beaucoup de temps à faire mes loisirs. Et bon, je ferai mes broderies, mon DP, mais la seule différence, c'est que je pourrais plus regarder les vidéos des copines en même temps que je brode. Je devrais faire ça sans vidéo. Sans YouTube. Donc, parler une langue supplémentaire, on l'a dit. Si tu devais renoncer à ton loisir préféré, quel autre hobby choisirais-tu à la place? Donc, ben, mon loisir préféré, vous l'aurez compris, c'est le point de croix. Et donc, si je devais le remplacer par un autre loisir, ben, je prendrais le DP. Ouais. J'ai découvert le DP avant le point de croix, mais quand j'ai trempé un orteil dans le monde du point dans le chaudron du point de croix, ça m'a j'ai attrapé le virus. Et c'est vrai que j'ai un petit peu délaissé le DP.
Bon, là, je vais essayer de justement parler d'organisation. Je vais essayer de me remettre tout ça à plat d'ici la fin d'année pour bien redémarrer en 2025 et puis essayer de partager un petit peu mon temps, de ne pas faire exclusivement le point de croix, même si j'aime beaucoup, mais essayer de varier un petit peu les plaisirs. Un petit peu plus de DP, me mettre vraiment dans le coloriage parce que là j'ai pas encore eu le temps de m'y mettre alors que j'ai vraiment envie de me mettre au coloriage, me remettre au coloriage. Et ouais, ça demande du temps. Puis le soir en fait une broderie c'est facile après attraper, après manger, je peux broder une petite heure. Je prends mon fil, ma toile, mon aiguille et puis c'est un loisir qui ne demande pas de préparation comme le DP où il faut sortir toutes ces couleurs, tous ces diamants, toutes ces petites boîtes. Voilà. Ou le coloriage, pareil, il faut faire son nuancier, il faut sortir tous ces crayons, se poser. C'est vrai que c'est plus simple, la broderie estampée, ça ne demande pas de préparation. Une fois qu'on a ses fils, c'est parti. Question 19. Si tu avais l'opportunité de passer une journée entière avec une personnalité, qui choisirais-tu et que feriez-vous ensemble? Alors, une personnalité. Bah oui, j'ai une idée. Je pense que je choisirais personnalité, bon, on va dire une personnalité française déjà. Donc, Cyril Lignac, que j'aime beaucoup. Et puis, qu'est-ce qu'on ferait ensemble? Bah, on pourrait discuter cuisine, pourrait me donner ses petites astuces, m'aider à me perfectionner en cuisine parce que je suis pas non plus au top au niveau cuisine. Niveau pâtisserie, je me débrouille, mais c'est vrai que tout ce qui est cuisine salée, j'aime pas trop les plats en sauce, tout ça, j'aime pas trop cuisiner. Les repas du quotidien, donc peut-être qu'il pourrait me donner des petits trucs, des petites astuces. Et puis ce que j'aimerais, c'est qu'il m'aide à faire manger des légumes à mes enfants, hein, parce que c'est compliqué. Si tu pouvais me donner des petites recettes, Cyril, hein, faudrait qu'on discute, qu'on mette ça au point pour essayer de faire manger des légumes aux enfants. Voilà, et ben on est déjà à la 20e question. Question 20. Et si tu pouvais rencontrer un personnage historique, qui choisirais-tu et pourquoi? Un personnage historique, je sais pas trop, hein, je suis pas trop branchée histoire. J'essaye de réfléchir là en même temps, mais là, franchement, j'en sais rien du tout. J'ai pas envie de rencontrer un président. Qui d'autre? Non, je sais pas. Hein. J'essaye de remonter les époques, mais ouais, Moyen-Âge, non. Non, franchement, j'ai pas d'idée. Personnage historique, j'ai pas d'idée. Je sais pas. Je sais, je sèche. J'essaye de réfléchir à un personnage intéressant, mais non, franchement, j'en sais rien. Je suis pas trop politique et ni histoire, donc là, franchement, il n'y a rien qui me vient à l'esprit. Donc, bah, c'est mon joker. La dernière question, c'est mon joker parce que j'ai aucune idée. Voilà, bon, on a fait un petit peu de quelques croix sur cette case, nouvelle case. Donc c'est la 11e case. Et c'était la numéro 4. Oh là là, que c'est dur de trouver les trous en vidéo. Je sais pas si vous aussi vous avez ce problème quand vous filmez, mais j'ai vraiment pas la bonne installation. Bon, allez, je ferme mes croix. On va
mettre dans sa chevelure. En fait, regardez, je vous remonte l'illustration. Ouais, on va être à ce niveau-là, au niveau de la chevelure. Ouais, donc ça va être pas mal, ça va changer un petit peu de tout ce bleu-gris de la neige. Elle est quand même sympa à faire, cette toile. Elle est agréable aussi à faire. La partager en cases comme ça, ça permet de se tenir à faire les confettis. Parce que sinon, c'est sûr qu'on ira à la facilité à aller faire du bloc. Regardez là par exemple, un point sur deux c'est symbole jaune, symbole croix, symbole jaune, symbole croix. Cette cassie va être aussi facile à faire. Enfin bon voilà, bon bah on va se quitter ici. On a fait un petit bout de case ensemble, donc bah ça prend forme. Regardez là, on est, et vous voyez, ça mine de rien, même si on est sur un fond. On a l'impression que les couleurs se ressemblent, mais quand on regarde la toile de loin, ça rend super bien. J'adore le rendu. Elle va être très belle une fois terminée, cette toile. Je dis toujours son petit nez de clown, là, parce qu'on voit le symbole à travers, à travers les points. Et bon, voilà. Bon, ben voilà, ma vidéo se termine. Donc, bah oui, j'allais oublier. Donc, moi, j'ai été taguée par Virginie sur le tag de Green Angel. Catherine, et donc bah, je vais taguer des personnes à mon tour, donc bah, si ça vous dit de répondre au tag, n'hésitez pas, je vous mettrai en barre de description les chaînes que je tague. Donc bah, je vais taguer Lilou des Bricoles à Lilou, je vais taguer Laurence des Extravagances de Tempérance, et puis aussi Marjorie des Loisirs de Marjorie. Donc bah, les filles, si ça vous dit de répondre au tag, n'hésitez pas. Je sais pas du tout si vous avez déjà été tagué, si vous y avez déjà répondu ou pas. Les questions du tag, elles sont disponibles sur la chaîne de Catherine. Et puis bah, là, moi, c'était la deuxième partie du tag ici. Donc bah, il restera une troisième vidéo. Je sais pas encore dans quelle... À quelle occasion je terminerai ce tag avec les 10 dernières questions. Bah, je vous fais de gros bisous. Et puis avec cette toile gorgeous, on se retrouve dans un mois, le 10 du mois prochain. Et puis le 10 du mois prochain, ça nous emmène au 10 novembre. Donc ça sera aussi le début de mon sale papillon. Je vous mets aussi en barre de description le lien de mon groupe Facebook si vous voulez... vous inscrire au groupe et puis participer au sale papillon en point de croix ou en diamond painting. Voilà, je me fais un petit peu de pub, hein, ça fait pas de mal. Allez, bah, gros bisous à tous et à toutes. Et puis, merci d'avoir regardé ma vidéo. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye.